is very exciting. We're now in London. We've had multiple events in San Francisco, New York, Paris, and now London. We've had hundreds of developers come over, get their first hands-on experience with SIO, SIO Lab, and learn how to develop material sensing applications. And behind me in the room, you can see a lot of people who are innovating and trying out new applications. J'ai trouvé ça très impressionnant, c'est presque magique. Et finalement, après, ça devient très concret avec les analyses qui apparaissent et c'est assez ludique. Et ce qui m'a impressionné, c'est la capacité qu'a eu Consumer Physics à faire de cette technologie qui est très pointue, quelque chose d'extrêmement simple à utiliser pour nous qui ne sommes pas des professionnels du monde de la spectrométrie, et de fabriquer en quelques clics et quelques minutes des modèles spectrométriques qui marchent très bien. I was surprised how easy it was to calibrate and how few samples you need to take to get a reliable difference. We were testing medicines and not just testing different types of medicines, we were testing the concentrations. So it was easily able to tell the difference between a 50 mg and a 100 mg tablet, which is very important for patients who are on mixed medications. Building a number of reference collections just to find out which materials can be scanned, which ones can't, what the limitations are. And I've had some good surprises and found some things that are going to be tough. But I'm generally very excited by it. I originally heard about SIO through the Kickstarter campaign, and I have a personal interest in medical diagnostics hardware and equipment, and I work within the health sector, so that sort of got me interested in what they were doing and how I ended up here. Ce qui est très intéressant avec SIO, c'est que le modèle d'analyse dans le cloud nous permet vraiment de partager une base de données mondiale et de découvrir, grâce à l'exploitation de cet outil par l'ensemble des utilisateurs partout dans le monde, des nouveaux matériaux et des nouvelles applications. Je fabrique moi-même des produits alimentaires et donc SIO a attiré mon attention. Ce qui m'intéresse, c'est surtout si ça peut permettre d'apporter de la transparence dans le secteur agroalimentaire et notamment dans les biens de consommation courante, savoir vraiment ce qu'on mange et si on nous ment ou pas. Ich habe verschiedene Möglichkeiten mir angeschaut. Ich programmiere und die interessanteste Idee, die ich im Moment habe, wäre die Qualität von Blumen, Schnittblumen zu erkennen, also wahrscheinlich über den Wassergehalt oder andere Parameter, um zu sehen, wie lange werden die Blumen noch halten. J'ai été intéressé par SIO parce que je voulais caractériser les truffes, leur provenance et ne pas me trouver confronté lors de l'achat de truffes à des fausses truffes, ce qui arrive très souvent. So what we're interested in is developing our systems that we already have, but to grow them now to detect material and to stop the wrong thing from going in the first place, which is the ultimate goal.